Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre étude de la parole de Dieu, tous ceux qui nous accompagnent depuis la maison et aussi à chacun d'entre nous qui est dans notre plateau. Je vais vous présenter ce matin. Aujourd'hui, nous accompagnent Akrasi, Nabil, Rosmilène, Claude, Yvonne et Sharon. Je vous remercie pour nous accompagner, mais surtout, j'espère que le Saint-Esprit puisse nous guider dans l'étude de cette parole qui est tellement importante pour nous, avec un sujet qui est magnifique, que c'est notre témoignage. Un peu de ce qu'on fera aujourd'hui, tous ensemble. C'est pour ça que je veux demander à Sharon de nous introduire à travers la prière. Seigneur notre Dieu et Créateur, nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir être là, ensemble, pour étudier ta parole en toute liberté. Nous invitons le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole à remplir nos cœurs, à illuminer notre compréhension, notre entendement, à guider nos échanges, mais surtout nous transformer à travers cette étude. C'est au nom du Christ, parole de vie, que nous te prions. Amen. Amen. Alors, une nouvelle leçon, un nouveau trimestre. La semaine dernière, nous avons déjà évoqué le témoignage et durant tout ce trimestre, nous allons parler de manière beaucoup plus approfondie du témoignage. Alors, le titre de cette semaine, de la leçon que nous avons étudiée ensemble, est le suivant. Des témoins engageants, la puissance du témoignage personnel. Alors, des témoins engageants, donc qui sont engagés, mais qui engagent également. Je vous invite à tourner vos Bibles dans le texte qui me semble être le texte clé pour cette étude. Il s'agit de 1 Jean 1, versets 1 à 4, et notre frère Claude va nous conduire dans la lecture de ce passage. Alors, 1 Jean 1, versets 1 à 4. Alors, ce matin, nous allons laisser la Bible parler, car je suis persuadée qu'elle a énormément de choses à nous enseigner. Frère Claude. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. En ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Merci, Claude. Alors, nous avons entendu, nous avons vu, mais pas vu seulement, mais de nos yeux. Nous avons contemplé, nous avons touché, mais pas touché uniquement, de nos mains. Pourquoi l'auteur insiste-t-il autant dans ce passage? Et qu'est-ce qu'il veut nous transmettre sur la nature du témoignage? Je vous écoute. Qui voudrait prendre la parole? Nabil. Merci Rose. Moi, je pense que le fait que le texte se réfère au sens, au toucher, à la vue et à louer, on voit que le témoignage avant tout, c'est quelque chose de vivant, quelque chose qui est en rapport avec notre être. On a beau avoir des connaissances, même des connaissances bibliques, mais ces connaissances doivent avoir un reflet ou un rapport avec la vie. Voilà. Mm-hmm. Alors, notre être. Claude, et ensuite Sharon. Oui, j'aimerais faire une remarque concernant ce que Jean a écrit. Il dit que lorsqu'il écrit ses épîtres, voire même l'évangile, il se réfère toujours à ce début, au commencement, c'est-à-dire à la création. Non seulement à la création, mais à la personne de Jésus, qui est Dieu. Amen, amen. Et il insiste justement là-dessus. C'est pour ça que quand il a annoncé ces verbes ici, nous avons contemplé, nous avons vu, tout ça, c'est pour manifester comme quoi
on a vu Dieu en face. Et c'est ça qu'il voulait montrer à travers ce passage. Alors c'est intéressant ce que tu dis avant de donner la parole à Sharon, parce qu'effectivement, non seulement il insiste sur l'expérience qu'il vit, mais il insiste également sur cet être. Il va dire ce qui était dès le commencement. Il va parler de la parole de vie, il va parler de la vie éternelle, ce qui était auprès du Père, etc. etc. Sharon. Oui, j'aime le fait qu'il répète de différentes façons. Nous avons entendu, nous avons vu, nous avons contemplé, nous avons palpé. Il insiste là-dessus comme pour dire que ce n'est pas quelque chose que quelqu'un m'a raconté. Je l'ai vécu moi, personnellement, et pas seulement lui, mais d'autres aussi. Akrasi. Oui, merci beaucoup de passer la parole. Oui, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire on a ici les sens. La vue, la main, le toucher. Les sens. Qui rentrent dans l'expérience concrète. Mm-hmm. Et puis peut-être quelque part, il y a une petite touche aussi que Jésus n'était pas simplement un esprit. C'était quelque chose d'incarné. Et on peut avoir un rapport réel avec lui. Donc du coup, ça me pose la question du contenu de ce qu'on va dire. Mm-hmm. Le contenu dans ce sens où si on peut toucher vraiment, c'est vrai. Dans ce sens-là, c'est vrai. Ce n'est pas quelque chose qui est un esprit. Jésus n'était pas un esprit et l'expérience qu'on a eue avec lui est une expérience empirique, réelle, donc véridique, sur laquelle on peut s'appuyer pour maintenant aller de l'avant. Alors, on a l'impression, comme vous le dites si bien, qu'il y a vraiment quelque chose de tangible, de palpable. Mmh. Ils ont vécu quelque chose, mais pas de façon superficielle, avec tout leur sens. Mmh. Il y a vraiment cette notion-là qui est importante à souligner. Mmh. C'était pas une connaissance cognitive. C'est-à-dire si on met par exemple ce passage en parallèle avec un autre passage de Jean, notamment Jean 17:3, qui dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le véritable vrai Dieu. Mmh. Alors, on comprend bien que la connaissance dans la Bible, c'est avant tout c'est cette expérience qui englobe l'être. Avec tous les sens. Voilà. Alors, j'ai entré de nous dire que le vécu, l'expérience, eh bien, ça pousse au témoignage, mais il faut d'abord avoir vécu quelque chose. Alors, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre parce que ce thème me semble fort intéressant. Le questionnaire ou l'auteur de ce questionnaire va nous parler de plusieurs personnages. Il va présenter cet homme qui a été délivré de légions de démons. Il va parler de Marie, de Magdala, de Paul, de Jean, des disciples. Ma question, qui est la suivante, qui peut être un témoin? Qui? Et qu'est-ce qui rend finalement un témoin légitime, crédible à ceux qui l'entourent, ou qu'est-ce qui fait que, voilà, moi je peux être un témoin d'eux? Vu les personnages qui nous ont été présentés, ils sont différents dans leur vécu, ils ont tous quelque chose qui les caractérise, et pourtant ils ont été des témoins. Alors, qui peut être un témoin? On peut tous être des témoins. Mm-hmm. Parce que il y a une partie, je m'excuse, je reviens un peu au texte qu'on vient de lire, c'était manifester la vie et la seule vie qu'il y a en Christ, en Dieu. On est tous vivantes. Donc, dès qu'on est vivante, je suis désolée, on peut être témoin de Dieu. Et ce témoignage, c'est un témoignage de vie de Dieu. C'est la seule qui peut être, qui nous peut vraiment rendre complet, avoir une vie entière, pleine. Alors, je pose la question parce que je suis un petit peu embarrassée puisque nos églises ou notre église, elle est remplie de personnes. Et il y a quand même un constat assez alarmant ou peut-être attristant, c'est cette impression qu'on a peur. On a peur. Mmh. On a peur de témoigner. Pourquoi? Alors, qui peut être, ou du moins, qui devrait être un témoin? Claude. Oui, alors, la première chose qu'on doit dire d'abord, c'est le témoin, dans le grec, ça veut dire martyr. C'est quelque part, c'est une personne qui a souffert, qui a été persécutée, qui a eu des problèmes. Et je joins ce que Yvonne disait, tout le monde peut être un témoin. Mais il ne faut pas oublier que seules les personnes qui sont en Christ,
qui passent par ce genre de choses. Je vous lis un passage dans comment ça s'appelle ça, dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 8. Romains chapitre 8 plutôt. Romains chapitre 8. À partir du verset 16 ou verset 17. Or, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, et toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent, ce ne sera pas l'avenir, hein, du temps présent, ne seraient comparées à la gloire à venir qui sera relevée pour nous. Aussi la création entend-elle un ardent désir de la révélation du Fils de Dieu. Donc les personnes qui vivent maintenant, mais dans le malheur, dans le problème, sont des témoins, ce sont des martyrs. Donc, si jamais, en tant que chrétiens, s'ils ne sont pas des enfants de Dieu, et que nous pensons que nous ne sommes pas persécutés, quand je dis persécutés, c'est-à-dire dans le genre avoir des souffrances, parce que le terme souffrance ici, ça veut dire persécuté. Alors là, il faut se remettre en question. Il ne faut pas penser que ce sont les autres qui vont nous persécuter. Ça peut être dans la famille. C'est peut-être des gens à côté. Ce sont des gens pas plus loin de nous. Ce sont peut-être les membres d'église, ou je ne sais pas, ou mon frère, ma soeur, mes parents, ou des trucs comme ça, qui peuvent me persécuter. Mais d'une manière différente. Par exemple, je ne sais pas, disons. Il y a des, comment ça s'appelle ça là, un genre de persécution, il va m'enfoncer ou bien essayer de me décourager. Tout ça, ce sont des persécutions, tout ça. Il ne faut pas penser que ce sont les gens à travers la parole qui vont persécuter. C'est le jour, le moment, il faut être, on est persécuté du temps présent, c'est pas dans l'avenir, hein, c'est maintenant que la persécution, qu'on manifeste le témoignage. Alors, c'est intéressant que tu abordes cette notion de martyr, qui est finalement à l'origine du mot témoin. Moi, je vois plutôt cette impression que je suis prêt, parce que j'ai vécu quelque chose avec Dieu, je suis prêt à vivre, à aller jusqu'au bout de... Alors, effectivement, il y a des souffrances hein, dans notre vie quotidienne et qui nous poussent à vivre des expériences avec Dieu. Dieu ne se manifeste pas que par la souffrance, j'ai envie de dire. Mais le témoin, c'est celui qui est capable et qui est prêt à aller jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir, Nabil, ensuite à Crassi? Voilà, je vais ici quand même de répondre aux deux questions. Qui peut être témoin et qui est la nature du témoignage? Je pense que même si tout au long de l'histoire du salut, dans la Bible, on voit que Dieu à des témoins, commençant par les patriarches, le peuple d'Israël, et Jésus a appelé des disciples qui étaient comme des témoins, mais on voit qu'à un moment donné, Jésus leur a dit que vous serez mes témoins, et nous sommes tous appelés maintenant à être, avec la notion du sacerdoce universel, à être des témoins de Dieu. Maintenant, le témoin, en plus de côté de martyr, c'est aussi celui qui est appelé à attester, à faire un témoignage de ce qu'il a vu, de ce qu'il a, il a assisté à un événement, il a vécu quelque chose. Moi, je pense que c'est dans ce sens que je vois cette nature de témoignage. C'est parce que nous sommes tous appelés aujourd'hui, nous sommes tous vécu une expérience avec Dieu et nous sommes appelés maintenant à la partager, à la raconter. D'accord. Akrasi, nous allons avancer. Oui, juste une petite addition. Alors, tu as cité ici Marie et Magdala. On a cité aussi Paul. On a cité aussi cet homme-là de Gadara, cet homme possédé. Ils ont tous vécu une expérience, une rencontre. Mm-hmm. Une rencontre bouleversante. Mm-hmm. Leur vie n'était plus la même que celle qu'il y avait avant. Et donc, du coup, le témoignage s'impose. Le témoin devient quelque chose, comme l'apôtre Paul pourra le dire, auquel il ne pouvait plus ne pas satisfaire. Donc, quand tu poses la question, qui peut être témoin? Je suis témoin, et ce qu'on a dit au début, c'est ça, parce que j'ai vu, parce que j'ai touché, mais parce que aussi j'ai fait la rencontre.
dans notre cas ici, rencontrer Dieu dans une profondeur telle que la vie est tellement bouleversée que on a envie maintenant, on a ce moteur, cette motivation qui fait que on passe à l'action. Alors j'ai envie de lier vos deux interventions qui sont très pertinentes. Il y a cette rencontre qui est bouleversante et qui va pousser finalement à vouloir vivre au quotidien quelque chose de toujours plus fort. Je suis interpellée par le cas de Pierre. Parce qu'en fait, il a eu une occasion de témoigner lors de la crucifixion de Jésus. Mm-hmm. Et cette fois-là, face à la menace de la mort, parce qu'il risquait lui-même d'être crucifié au pire, je ne connais pas. Mm-hmm. Et avec d'autres mots, pour enrichir son vocabulaire, insister qu'il ne connaissait pas le Christ. Donc là, il a échoué. Après, nous avons le même Pierre. On lui dit, taisez-vous, on va vous mettre en prison, etc. Et voilà, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ça devient ce qui, avant, lui fait peur, maintenant devient un besoin impérieux. Mm-hmm. Je ne peux pas faire autrement, c'est plus fort que moi, dit-il. Qu'est-ce qui s'est passé entre ? Il n'a pas seulement... La première fois, il avait passé trois ans et demi avec Jésus. Mais il a vécu le pardon de Jésus. Et Jésus qui lui dit, maintenant tu es pardonné, va dire aux autres, va donner à manger aux autres. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons tous vivre. Pas seulement connaître, on a vu les histoires, Jésus a guéri, on a vu ce qu'il a fait. Mais est-ce que notre vie a été transformée? Est-ce qu'on est conscient d'avoir été pardonné? Et c'est ça, je pense, qui donne le courage à Pierre, en plus du fait qu'il a vu le Christ ressuscité. Mm-hmm. Claude, et nous poursuivons. Je dirais, pour résumer, un témoin, il a vécu quelque chose de négatif d'abord, et ça aboutit à quelque chose de positif. Nous verrons ça dans le Marc, le diable, enfin celui qui a été... Comment ça s'appelle ça, là, qui a été envoyé par le diable. C'est quelque chose de négatif qu'il a vécu là. Mais Jésus l'a délivré et il a vécu quelque chose de positif. Et ça, il ne peut pas le garder en lui. Il faut qu'il transmette ça. Et ça, je crois que c'est un peu ça, notre leçon pour cette semaine, c'est que ça veut dire un témoin. Donc il y a une quête, il y a un besoin. Et il y a un Jésus qui vient répondre à ce besoin. Et puis ensuite, il y a la nécessité d'en parler. Oui. Alors, nous allons tourner nos Bibles donc, dans les deux passages que je voudrais que nous considérions ce matin. Celui de Marc 5, versets 15 à 20, et celui de Marc 16, versets 1 à 11. Nous n'allons pas lire tout, mais nous allons essayer de voir dans un premier temps quels sont les points communs, finalement, que nous observons dans ces deux passages, afin de pouvoir poursuivre. Alors, Marc 5, versets 15 à 20. Si quelqu'un veut lire. Marc 5, verset 15 à 20. 15 à 20. On lit la totalité ou tu as dit? Alors, on peut lire. OK. On peut lire le verset 15 et le verset 19. D'accord. Marc 5, verset 15. Ils arrivèrent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu, avec toute sa raison, lui qui avait eu légion, et ils eurent peur. Verset 19. Il ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va-t'en chez toi auprès des tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. Mm-hmm. » Et Marc 16, merci. Marc 16, là nous allons lire le verset 5 et ensuite le verset 7. Alors le verset Nabil. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Verset 7.
mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Alors, on essaie de placer un petit peu dans le contexte. Le premier texte, il y a un homme possédé de légions de démons qui va être guéri par Jésus. Et le texte nous dit, au départ, lorsqu'il est guéri, eh bien, les gens le retrouvent assis, correctement vêtu. Donc, il y a une transformation, mais une transformation qui n'est pas seulement vécue par l'homme, mais qui est vue par les autres. D'accord ? Et puis, il y a de notre côté Marc, du moins, il y a Marie et d'autres femmes qui vont au tombeau et qui voient là, qui font une rencontre aussi, qui voient là un homme assis tranquillement, brillant, vêtu de blanc. Et donc, il n'y a pas de corps, il y a une réalité. Ensuite, dans le premier, dans l'autre texte, le texte de Marc 5, Jésus va dire, puisque cet homme va insister, « Je veux rester avec toi, est-ce que je peux rester avec toi ?» Jésus va lui dire « Va, va dire. » Et dans Marc 16 également, l'ange va dire « Allez dire. » Alors, j'aimerais que nous essayions de voir les points communs du récit, mais pas juste pour en trouver les points communs, mais surtout pour essayer de voir est-ce qu'il y aurait finalement de l'expérience au témoignage, est-ce qu'il y a des étapes qu'on vit, on ne nomme pas forcément, mais qu'on vit, et qui finalement vont être le moteur, j'ai envie de dire, qui va permettre d'aboutir au témoignage. Si on regarde les deux récits, premièrement, il y a une guérison. Oui. Il y a un vécu. Il y a un vécu personnel. Un vécu personnel. Qui a changé tout. Oui. Il y a un constat. Nabil Akrassi. Moi, je pense que les deux passages ne présentent deux personnages qui ont quand même, à un moment donné, vécu des moments difficiles. Bon, pour le gadarénien, il était possédé, il a perdu tout son bon sens, même sa dignité, son humanité, parce qu'il était nu, il était enchaîné, il vivait en dehors de la communauté, son statut social. Et puis, à un moment donné, il était réintégré, restauré, comme le texte le dit, physiquement, mentalement et même spirituellement, parce qu'à un moment donné, il a exprimé son désir d'être avec Jésus. L'autre texte, Marc 16, nous présente aussi Marie Magdalena, et la Bible nous dit qu'elle était aussi délivrée. Et puis, on voit ici son attachement à Jésus. Elle voulait, même s'il était crucifié, il était dans le tombeau, mais le texte nous dit que Marie Magdala, avec d'autres femmes, venait au tombeau. Pour faire quoi comme... Elle venait quoi faire? Bon, c'était pour embaumer. Oui. Et dans les deux cas, on voit que Dieu, à travers bien sûr l'ange et même Jésus pour le gadarénien, les a envoyés en mission. Bien sûr, différemment, parce que pour le premier... curieusement, Jésus n'a pas répondu à sa requête parce qu'il voulait être avec Jésus. Et Jésus lui dit, va chez toi et raconte ce que Dieu t'a fait. Contrairement à la femme, il lui dit, va et dire aux disciples. C'est quand même curieux, quand même, dire aux disciples. Alors c'est intéressant. D'abord, il y a un avant, comme Claude disait tout à l'heure. Ensuite, il y a une rencontre, comme Yvonne vient de dire. Et puis il y a un envoi, ensuite. Akrassi. Avant l'envoi, il y a la reconnaissance. Il y a la reconnaissance. La reconnaissance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Jésus lui a donné quelque chose qui correspond à son besoin le plus fort, inespéré, il n'a jamais pensé guérir ce monsieur. Il fait une expérience qui le dépasse complètement. Dans la première réaction, c'est de dire, je ne te quitte plus, tu me fais tellement de bien. Mais ce qui est important, c'est que Jésus lui dit, écoute, j'ai une mission spécifique pour toi. Tu veux me suivre? Mais je vais te dire exactement la chose que je voudrais que tu fasses pour moi. Tu restes ici. Et Jésus lui dit, voilà ce que tu vas dire. Raconte ce que tu as fait, mais dis comment Dieu a eu compassion de toi. Alors c'est intéressant
excuse-moi de t'interrompre, parce que moi, je note dans ces deux récits comme une pause. L'homme, il est là, oui. vêtu, oui. à côté de Jésus. Oui. Il est dans un état de statu quo. Oui. Et Marie de Magdala et les femmes, elles sont sous le choc. Et le texte nous dit que quand elles rentrent chez elles, il y a une nuit qui s'écoule avant qu'elles n'aillent oui. annoncer. Donc, il y a comme un silence. Oui. Comme une pause. Continue. Mm-hmm. Mais dans le cas de Marie, elle est en deuil. Jésus est mort. Ce n'est pas la chose qu'on attendait. La mort de Jésus est un choc pour tous les disciples. Donc, elle va dans le tombeau, dans le but d'embaumer ou de faire quelque chose pour ce corps-là. Toujours la reconnaissance. Hein. Mais là, elle est surprise. Elle est surprise. Et Jésus lui donne un message encore. Mm-hmm. Va dire. Mm-hmm. Et Jésus... l'envoi. Je sais que c'est passionnant. Alors, Sharon, ensuite la ville. Il me semble que dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1, Jésus évoque un principe qui est vu dans la façon dont il parle à l'ex-démoniaque. Jésus dit aux disciples, « Vous recevrez la puissance quand l'Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, Samarie et aux extrémités de la terre, comme des cercles concentriques qui commencent à la maison, et puis on va plus loin. Avec le démoniaque délivré, Jésus lui dit, va-t'en chez toi et les tiens. Et souvent, c'est plus facile d'aller au recoin de la terre, à Samarie ou Judée, mais à Jérusalem, chez moi. Quel genre de témoin suis-je chez moi et auprès des miens? Et c'est intéressant que Jésus dit à cet homme, il ne dit pas va être évangéliste et faire des grandes réunions. Commence chez toi. Mm-hmm. Donc après le passé ou le besoin, il y a la rencontre. Après la rencontre, il y a la reconnaissance. Il y a un temps de battement, j'ai envie de dire, où on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait de ce vécu. Ensuite, il y a l'envoi. Et enfin, il y a l'envoi où? D'abord chez soi, chez les siens. D'abord aux disciples, aux proches. Et puis ensuite, on verra. Moi, je trouve ça formidable. Jésus, il donne un ordre de mission, mais pas n'importe lequel. Il n'envoie pas pour dire quoi. Et ça m'amène à aller dans la deuxième question. Qu'est-ce que je témoigne? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qui, dans mon témoignage, va toucher l'autre? Oui. Hein? De qui est-il question? Est-ce de moi? Non. Tu racontes les faits que tu as vécu. Et quel devrait être le contenu de mon témoignage? Alors, je vous écoute. Claude. Oui, alors, je crois que... lorsqu'on fait un témoignage, comment on veut expliquer ça? Je ne peux pas le garder. Par exemple, quand je vais à l'école du sabbat, là, je fais les études dans l'école, à la maison, et puis quelque part, je trouve quelque chose dans l'étude que je fais. Là. Je ne peux pas me retenir. Il faut que j'aille à l'église pour partager ça parmi les membres, les amis dans l'église. Et je viens à 9h15. Je ne peux pas m'empêcher de faire ce genre de choses. Et je crois que c'est un peu ça qui se passe. La personne qui a vécu cette expérience, comme tu as dit, il a eu une pause. Moi, je crois que la pause en question, c'est une autocritique ou une auto-réflexion qui se passe. Il est en train de réfléchir. Tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis arrivé à ce stade-là? Et là, il ne peut pas s'en empêcher de partager ce qu'il a vécu. Et ça, je crois que c'est important. C'est une des étapes auxquelles on passe lorsqu'on fait un témoignage. Alors, j'entends un écho de mon côté. Je ne sais pas si ça s'entend au niveau des auditeurs. Merci de régler. Alors, est-ce que Nabil... Voilà. Permettez-moi juste de revenir un peu en arrière
pour dire que les deux personnages présentés ici, le Gadarénien et Marie, ils étaient, ils ont vécu quand même des drames dans leur vie. Ils étaient brisés. Et par la suite, ils étaient restaurés. Et maintenant, Dieu décide de les envoyer. Alors, je pense qu'il y a ici un encouragement pour chacun de nous, parce que voilà, dans nos vies, il y a des moments où on est brisé, on vit des situations difficiles, mais Dieu nous encourage, il nous dit, voilà, il nous restaure. Plus que ça, il nous confie quand même ce privilège d'être des témoins. Voilà. Maintenant, par rapport à la question, moi je vais répondre à la tension qui existe dans le témoignage entre le fait de rendre compte de ce qu'on a vécu, de l'expérience qu'on a vécue avec Dieu. Alors, automatiquement, on est appelé à parler de nous-mêmes, mais le vrai témoignage chrétien, c'est avant tout c'est de parler de ce que Dieu a fait pour nous. Je ne sais pas si vous voyez quand même cette tension. Pour être témoin, c'est normalement de raconter son expérience. Mais on ne doit pas oublier que le point principal, c'est de mettre Jésus au centre. Parce que si ce n'est pas lui, nos vies ne seront pas transformées. Voilà. À Crassi. Ensuite, nous avons une question. Oui. Je vais la présenter tout à l'heure. D'accord. Et puis, il y a cette touche personnelle qui se trouve dans, comme on a dit, le contenu. Jésus dit, raconte et dit comment Dieu a eu compassion de toi. L'amour de Dieu. Mm-hmm. Tu as commencé avec 1 Jean chapitre, avec 1 Jean. Je veux juste rappeler que c'est l'épître qui nous parle de l'amour de Dieu. Et c'est l'épître qui définit Dieu comme étant amour. Très bien. Quelqu'un d'autre ? Sharon. Une chose qui m'a souvent interpellée, c'est la façon dont certains témoignages sont racontés. Quelqu'un va dire, bon, j'ai vécu ça, ça, ça. Il passe, disons, 15 minutes de témoignage, dont 13 à raconter leur frasque, une minute à dire, j'ai rencontré Jésus, et puis on a l'impression que rien ne se passe après. C'est-à-dire que les choses les plus intéressantes, c'est les phrases que j'ai pris la drogue, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Jésus, il indique très clairement à ce monsieur qui quand même a vécu des choses extraordinaires, il pourrait passer tout un livre à raconter comment il est arrivé au cimetière, etc. Jésus a dit, raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. Le sujet, la vedette de notre témoignage, Amen. C'est censé être Dieu, Amen. Et pas nous. Amen. Exact. Amen. Très profond. Yvonne. Désolée. Sans souci. En revenant un peu à ce que Sharon dit et en revenant un peu à ce qu'on disait au début par rapport à témoigner dans notre famille, je crois que c'est un clin d'œil aussi de Dieu, puisque dans notre famille, on n'a pas besoin de raconter ce que nous, on a vécu en général. Ils l'ont vécu avec nous. Ils nous connaissent suffisamment. Et la partie que vraiment qui fait la différence, qu'eux, ils ne peuvent pas savoir, c'est ce que nous, on a vécu interne, dans notre cœur. Et c'est ça, justement, c'est la transformation, comment moi, je me positionne aujourd'hui par rapport à mon Dieu. Donc, pour moi, c'est un cadeau du ciel de pouvoir témoigner dans notre famille, parce que toute cette partie que tu disais, que on raconte tout ce qui nous est arrivé, on peut se passer des fois. Mais cette partie dans laquelle Dieu nous donne la paix, Dieu nous réconforte, Dieu nous restaure à la position que lui, il nous a donnée au début, ben, c'est là qu'on peut vraiment partager. Très bien, Nabil. Je signale juste un point, c'est que c'est beau de témoigner au sein de sa famille, mais ce n'est pas toujours évident. On voit déjà dans la Bible, soit pour les prophètes, soit pour Jésus lui-même, les disciples, ils ont quand même, ils avaient des difficultés à prêcher chez eux. Mais ça n'empêche pas, effectivement, comme Yvonne l'a bien dit tout à l'heure,
Le premier endroit où on doit comme rendre témoignage, c'est nos familles. Et même si on trouve la difficulté, moi je pense qu'il y a lieu de témoigner. Même si on n'est pas accepté, Dieu fera le reste. Voilà. Très bien. Alors Claude, dernière chose, j'aimerais simplement faire une remarque. C'est le premier missionnaire que Jésus a envoyé. La personne qui a été possédée par le diable. Mm-hmm. Il a commencé par sa famille, mais après toute la décapole a été aussi envoyée par son témoignage. Et Jésus, selon l'esprit de prophétie, il a dit, il est revenu une année après, et ben toutes les personnes qui étaient dans la décapole a accepté Jésus. Amen. Juste un détail par rapport à ça. Je trouve quand même impressionnant, je vois quand même la sagesse de Dieu, c'est que y a des endroits où personne ne peut témoigner que nous, par exemple, où Dieu nous utilise. Le cas du Gadarénien, à Décapole ou la Galilée, c'était un territoire païen. Et au début, c'est-à-dire Jésus, c'était pas facile de témoigner, de pénétrer. Mmh. D'ailleurs, à un moment donné, ils ont demandé à Jésus de partir. Mmh. Et on voit que Jésus, quand même, a envoyé son disciple. Mmh. Juste pour dire qu'il y a des territoires aujourd'hui qui sont fermés à l'évangile, difficiles à pénétrer, mais la seule façon, c'est les locaux, c'est ceux qui sont sur le terrain qui peuvent quand même accomplir la mission. Amen, c'est très intéressant. Alors, vous allez un petit peu trop vite en besogne, mais c'est passionnant. Je voulais juste proposer deux citations d'Ellen White qui m'ont semblé très pertinentes dans la partie du mercredi. Elle dit ceci, « Partager notre foi est toujours une expérience dynamique. C'est raconter l'histoire de ce que Christ a fait pour nous par le passé, de ce qu'il fait dans nos vies aujourd'hui et de ce qu'il accomplira pour nous dans l'avenir. » Donc, Christ, c'est vraiment lui qui est au centre. Et j'aime ce qu'elle dit dans cette notion de dynamisme, de mouvement. L'expérience n'est pas juste l'expérience de la rencontre il y a 20 ans. C'est tous les jours, je rencontre Dieu, je vis des choses avec Dieu. Et puis, elle va dire encore, témoigner, c'est simplement partager notre histoire de sa grâce. Sa grâce étonnante. C'est un témoignage de notre rencontre personnelle avec ce Dieu de grâce extraordinaire. Alors, elle synthétise ce que nous avons dit sur le plateau, c'est que Dieu, Christ, est au centre et parce que nous avons vécu, nous vivons et nous vivrons encore des choses avec lui, eh bien, nous avons de quoi témoigner. Et vous avez entamé finalement, commencé à donner des éléments de réponse sur ma question qui suit, à qui finalement dois-je témoigner? Et vous l'avez bien dit, à ceux qui sont près de moi, et surtout que Dieu n'utilisera que certaines personnes dans certains lieux, fermés à l'évangile, fermés à l'accès d'autres personnes, et Dieu fera de ces personnes-là des témoins. Très 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 bien. Alors, je reviens à ma question, une des questions que j'ai posées au départ. Pourquoi donc, avec tous ces éléments-là, certaines personnes n'arrivent pas à témoigner? Pourquoi? Claude? Je dirais peut-être, bon, c'est une opinion très personnelle, peut-être le témoignage la personne qui a fait, elle n'est pas très authentique, peut-être. Très authentique, parce que lorsqu'on fait un témoignage, c'est quelque chose de vrai. On ne peut pas s'en passer de ça. Il faut que ça soit très véridique. Et peut-être aussi, il y a une timidité quelque part. Alors là, je pense que l'esprit ne travaille pas assez, peut-être. Je dis peut-être, hein. Je ne sais pas. Alors, c'est possible, c'est un élément de réponse. Yvonne? Je crois que des fois, on oublie vraiment qu'est-ce que c'est un témoignage. Ce n'est pas seulement des paroles. Ce n'est pas seulement de faire un bel discours. Un enfant peut témoigner sans dire quoi que ce soit, avec son attitude. Peut-être il n'a pas les paroles comme un adulte, mais il continue à être un témoin. Mm-hmm. Et il peut partager sa foi. Et bon,
plein de cas, ça a été le cas qu'un enfant a transformé la vie d'une toute une famille. Okay. Et je crois que c'est peut-être notre conception comme adulte de témoignage que des fois on l'oublie. Témoignage, c'est pas seulement de faire des belles paroles, c'est aussi notre vie, notre quotidien, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, comment on se relationne avec les personnes qui sont autour de nous. C'est pas seulement dire des paroles. Et des fois, on est tellement, on veut tellement convaincre l'autre de quelque chose. Et c'est pas ça le témoignage. Mm-hmm. Le témoignage, c'est vivre la vie avec Dieu et partager ça. C'est pas moi qui convainc les cœurs des autres, c'est seulement le Saint-Esprit qui les fait. Exactement. Et pas mal de fois, c'est ça qui nous confond dans notre témoignage. On veut convaincre la personne qu'on a en face et des fois, on n'est pas respectueux de l'intégrité de la personne qu'on a en face. Mm-hmm. Parce que c'est pas mon travail, c'est le travail du Saint-Esprit. Très intéressant. Sharon, je pense Nabil. Tu as mis le doigt dessus vraiment, Yvonne, parce qu'il me semble que souvent notre problème, c'est que nous confondons les rôles, c'est-à-dire on veut être soit gendarme, soit juge, soit juré, soit avocat de Dieu. Il nous appelle à être témoin. Ce n'est pas la même chose. Mm-hmm. Et souvent, je pense qu'en tant qu'adventiste, on est spécialement porté à faire ça, c'est de confondre témoignage et apologétique ou enseignement. J'ai été interpellée par l'histoire d'une... C'est une dame qui est évangéliste et apologiste elle-même en Angleterre qui raconte comment son enfant, son fils de 3 ans, a été un témoin qui a ramené toute une famille au Christ. Ce petit, dans la cour de récré, a parlé à son petit camarade de 3-4 ans de Jésus, comment Jésus, il aimait Jésus, tout ça. Il a tellement parlé de ça que le petit garçon est rentré chez lui et exigé que ses parents achètent une Bible et qu'ils lisent les histoires de Jésus. Et de fil en aiguille, cette famille a été convertie à cause d'un petit garçon qui, bien sûr, ne pouvait pas donner des études bibliques, mais qui a partagé son amour débordant de Christ. Donc, on n'a pas besoin d'être formé, on n'a pas besoin d'arguments. Comme tu as dit, souvent, on pense que c'est nos arguments qui vont gagner les cœurs. On est appelé à témoigner. C'est l'Esprit Saint qui convainc. Alors, avant de donner la parole à Nabil, à Krassi, il y a une question d'Albert Muller. Sommes-nous à devenir des martyrs pour notre temps par rapport à Apocalypse 20, verset 4? Alors, moi, j'ai le sentiment qu'on est en train de répondre à cela. Hein? À cette notion de je partage, je témoigne d'un vécu, je ne suis pas là pour enseigner ni pour prêcher sur mon lieu de travail, mais je témoigne de. Donc, par conséquent, est-ce nécessaire finalement de se créer des occasions où je vais être martyrisé pour pouvoir partager mon témoignage? Je vous laisse la parole. Voilà, je voulais tout à l'heure répondre à la question parce que je pense que l'une des choses qui bloque le témoignage, c'est la fausse conception qu'on a même du sens, la définition du témoin. Mm-hmm. Au début, notre frère a donné quand même un aspect de la définition en disant que ça a un rapport avec être martyr. Et je pense que c'est une question pertinente, notamment dans le contexte où on voit dans d'autres religions des fidèles qui sont là et ils sont là même, ils sont prêts à mourir pour défendre leurs convictions. Ils sont même des kamikazes parce qu'ils croient à un idéal. Moi, je pense qu'être témoin, avant tout, c'est rendre avec simplicité, mais avec authenticité de ce qu'on a vécu avec Dieu. Dans des situations, c'est pas dans tous les cas où notre témoignage peut nous mener à sacrifier nos vies,
mais ce n'est pas dans tous les cas. Voilà. Dieu ne veut vivant. D'ailleurs, dans Romains 12, il dit, voilà, il souhaite que nous rendions un culte, que nous soyons un temple vivant pour Dieu. Voilà. Alors, à Crassi, moi, je n'étais pas dans cette... Enfin, j'avais levé le doigt pour autre chose. D'accord, d'accord. Alors, ce n'est pas grave. Alors, moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qui est dit, c'est que c'est vrai que des fois, on se trompe hein, dans notre manière de témoigner. On a le sentiment qu'il me faut convaincre l'autre. Ça, c'est une réalité. Ou être un martyr. Ou être martyr. Et puis, il y a d'autres fois où je mets le pied dans le plat, hein, où l'occasion ne s'y prête pas. Hein. Ce n'est pas le bon moment, la personne n'est pas réceptive, il n'y a pas un besoin. On a parlé tout à l'heure hein, de cette notion de besoin, de Dieu, de Jésus qui va attendre que l'autre ait un besoin pour pouvoir intervenir. Il y a aussi d'autres éléments qu'on pourrait rajouter dans le fait qu'on a peur de témoigner parce que on a le sentiment qu'il faut en dire trop. Hein? Oui. Finalement, le témoignage, il peut être partagé, mais de différentes façons. Mm-hmm. Il peut être verbal, il peut être écrit. Combien de personnes ont vécu des choses, que ce soit en rapport avec Dieu ou pas, hein, et qui ont écrit leur histoire, hein, qui vont finalement aider d'autres personnes dans la même situation. Et puis le témoignage, il est vécu. Je suis dans une famille, on a parlé de l'enfant de 3 ans, mais il y a par exemple une épouse qui rencontre Jésus et son vécu, son expérience sera différente, son attitude sera différente. Et donc le témoignage, il peut être vécu de plusieurs manières. Et donc moi j'ai envie de dire que si notre force est dans la parole, pourquoi pas? Mais si je suis sur mon lieu de travail, est-ce que je fais la différence dans mon action? Sharon. Je pense que c'est très important, pardon, cette question de martyr ou pas. Jésus n'encourage pas ses disciples à chercher le martyr. Il a dit, vous allez dans une ville, les gens ne vous acceptent pas, partez tranquillement. Oui. Okay? Donc, on ne va pas insister pour provoquer le martyr. Oui. Même si à la fin, ils sont tous presque martyrisés. Mais ils ne l'ont pas cherché. C'est ça qui est très important. Je me souviens d'une jeune femme que j'ai connue quand j'étais en Angleterre, qui nous racontait à l'église les difficultés qu'elle avait pour avoir quitté le travail plus tôt le vendredi pour respecter le sabbat. Et pour elle, elle vivait ça comme un genre de martyr, c'est une persécution. Mais la connaissant, écoutant certaines choses qu'elle disait, elle n'arrivait pas toujours à l'heure au travail. Alors, quand d'un côté, tu n'arrives pas à l'heure, et puis après, tu veux partir plus tôt, voilà, tu ne peux pas nécessairement dire que c'est une persécution. Donc, parfois, par notre comportement, nous contredisons notre témoignage, et ça apporte le martyr. Mais il me semble que dans nos sociétés, ça me frappe de plus en plus. J'écoute beaucoup de témoignages qui sont en contraste. Des témoignages de chrétiens en Iran et dans d'autres pays où si vous êtes pris par les autorités, vous risquez votre vie, littéralement. Et que les gens témoignent quand même. Dans nos sociétés où nous avons la liberté, mais nous avons peur de perdre notre travail. Ou juste de perdre l'estime de nos amis. Et là, on a peur. Je pense que beaucoup d'entre nous, si quelqu'un vient ici et dit, tu braques un fusil sur nous, tu renonces à Jésus ou tu meurs, peut-être on aura sur le plan le courage de dire, je reste avec Jésus. Mais si on nous dit au travail, alors là, tu n'as pas le droit de dire certaines choses sur ce qui est un homme, ce qui est une femme. Il y a un médecin en Angleterre qui a perdu son travail parce qu'il n'a pas voulu mettre sur un papier que quelqu'un était une femme. Parce que cette personne était née homme et voilà, il a dit je mettrai autre chose, mais je ne mettrai pas que c'est une femme et il a perdu son travail. Donc il y a plein de petites instances comme ça. Est-ce que tu fais un gâteau pour certains mariages? Est-ce que tu as le droit de refuser? Oui. Et là, on va trouver parfois des excuses pour ne pas témoigner directement. Oui, je comprends. Nabil, et ensuite nous allons poursuivre. Permettez-moi juste de raconter une petite histoire et même profiter pour répondre à une question. Est-ce que le témoignage, c'est uniquement en parole ou en action?
dans un pays, il y avait une catastrophe naturelle et il y avait une ONG, une association qui distribuait des aides alimentaires. Il y avait toute une chaîne. Et quand une jeune fille arrive, c'était son tour, les provisions étaient épuisées. Il n'y avait rien à donner, sauf une banane. Alors le monsieur, il donne la banane à cette fille, et il était contrarié, et il suivait cette fille des yeux. Et puis la fille, elle prend la banane, elle la partage en trois, et elle la donne à ses petits frères. Wow. Et à ce moment-là, il a fait quand même cette déclaration. Il dit, aujourd'hui, j'ai vu Dieu en personne. Amen. Voilà. Mm-hmm. Donc le témoignage, il n'est pas seulement parlé, il est vécu. Mm-hmm. Et Dieu, en tout cas, insiste auprès de chacun de nous en ce matin, va et dis-leur, quelle grâce étonnante j'ai opérée dans vos vies. Dites-leur. Alors, ça, c'est ma dernière question. Et elle sera de bien plus pratique que les précédentes. Qu'avons-nous à dire en ce matin? Quel est notre témoignage personnel? Est-ce que nous avons ici présent, chacun, deux, trois mots, pas grand-chose? Est-ce que nous pouvons relater une expérience que nous avons vécue, soit de notre conversion ou une expérience récente, mais qui nous a bouleversés, afin que nos auditeurs, nos internautes puissent effectivement être touchés, hein, par ce que nous avons vécu. Alors, nous allons commencer comme cela. Nous allons commencer avec Akrasi et nous allons poursuivre. Je ne peux pas dire quelque chose de spécial comme ça aujourd'hui, mais je sais que pour moi, personnellement, c'est une grâce spéciale d'être devenu croyant. Je ne l'étais pas avant. Et depuis mes 18 ans, je suis croyant, adventiste. Et j'ai découvert un Dieu spécial qui me guide, qui m'accompagne dans des expériences de la vie quotidienne. Et je sais que tous les jours, je peux m'appuyer sur lui. J'ai une personne, même si je ne le vois pas, pour moi, il est concret. Je peux dire comme Jean, celui que mes yeux ont vu, celui que mes mains ont touché, celui qui s'est manifesté à moi. Il est là tous les jours. Amen. Nabil. Alors moi, je trouve la difficulté à témoigner dans ma petite famille. Vous êtes ici. Juste pour vous dire que quand quelqu'un me demande de témoigner, moi, je dis souvent que je n'ai pas vécu quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai pas vécu une grande persécution. Mais ce que je peux dire, que si Dieu a répondu à mes questions existentielles, et chaque jour, je le loue, je suis reconnaissant par rapport à sa bonté envers moi. Amen. Alors moi, mon témoignage... Ah, tu voudrais raconter le tien? Mon témoignage, je me rappelle, j'avais 18 ans, hein, j'ai grandi dans l'église adventiste, je me suis baptisée à l'âge de 13 ans. Et à 18 ans, j'avais perdu de vue le focus. J'avais cette impression que ma place n'était plus à l'église. Et je me rappelle, j'avais dit à Dieu, Seigneur, à 18 ans, je laisse l'église, j'abandonne tout, je vis ma vie. Et je me rappelle que cette année-là, cette 18e année, il y a eu un camp meeting. Et j'avais des copines très croyantes, nous étions très soudées. Et elles m'ont dit, Rose, on ira au camp meeting, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, oh, camp meeting. Alors elles ont insisté, et ce qui est intéressant, c'est que mon église a pris tout en charge, donc je me retrouve au camp meeting, et le premier soir, elles me disent, Rose, apparemment il y a un conférencier qui vient des États-Unis, et il va prêcher ce soir, viens avec nous. Alors elles ont insisté, alors je me retrouve à cette conférence, et le premier soir où j'y vais, je suis éblouie par l'amour de Dieu. Le pasteur, il a simplement pris l'Exode 20, son projet d'étude, c'était vraiment chaque soir de présenter un commandement. Et le premier soir, il a pris le tout premier verset de Exode, « Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, dans la maison de servitude, etc. etc. » Et là, j'ai été étonnée, subjuguée par ce Dieu qui aime finalement. Et qui ne donne pas des lois de contraintes, mais vraiment des lois d'amour. Et depuis ce jour-là, j'ai appris à cheminer avec un Dieu qui aime. Et c'est ce qui me tient jusqu'à présent. Ce Dieu qui, en dépit de tout, est prêt à sauver
et qui conduit parce qu'il aime. Et donc, c'est ce qui fait que, voilà, je suis là avec vous. Donc, j'ai vécu cela avec Dieu et je souhaite que tout le monde puisse rencontrer ce Dieu d'amour. Claude. Oui, alors moi, c'était une expérience très récente. Quand j'étais dans mon pays, je conduisais une voiture et juste à côté de moi, il y avait deux mendiants. Puis je me suis dit, je ne veux pas donner de l'argent, ce sont des voleurs. Je ne veux pas donner de l'argent. J'avais ça en tête. Je ne veux pas donner de l'argent, je suis un voleur. Voilà. Ils sont venus vers moi et puis ils m'ont demandé. Je considérais comme si c'était rien du tout. Puis à un certain moment, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai fait une marche arrière avec la voiture. Tout d'un coup, comme ça. Puis une marche arrière. Et puis j'ai donné de l'argent. Je dois leur donner de l'argent. Vous ne pouvez pas savoir le shalom que j'avais. J'avais un bien-être. Je me sentais bien. J'avais une joie. J'avais un calme. J'étais zen. J'avais tout ce genre de choses qui me pensaient à moi. Et puis après, quand je suis parti, je me posais la question, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis dit ça? Et là, j'ai pensé au passage de la parole de Dieu dans Jean. L'esprit, c'est comme le vent. Hein, il va où il veut. Et je crois que c'était merveilleux pour moi, ce genre de témoignage. Yvonne. Pour témoigner, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Sincèrement, j'ai toujours dans mon cœur que Dieu a fait beaucoup, beaucoup de miracles dans ma famille, dans ma vie. Mais une des choses qui me tient au cœur, c'est que n'importe où je suis, n'importe ce qui m'arrive, et j'ai vécu beaucoup de choses très seule, il a toujours été à mon côté. Amen. Cette sensation de ne pas être seule, d'être soutenue, de que n'importe ce que je fais et que même si toutes les portes se ferment, lui, il est là. Amen. C'est quelque chose qui m'encourage toujours à continuer et à croire vraiment en lui. Amen. Sharon, et ensuite nous allons terminer. Alors, j'ai grandi dans l'église. Je me suis fait baptiser, j'avais entre 13 et 14 ans. Et pendant très longtemps, je me suis dit, oh, je suis sûre que je ne suis pas la seule, oh, si seulement j'avais un témoignage de quelqu'un qui était drogué, qui vit à la foi après, qui vit quelque chose de très fort, qui a failli mourir du cancer ou quelque chose comme ça. Mais avec le temps, je me suis rendu compte à quel point c'est une bénédiction de grandir avec Dieu et de voir ma vie transformée. Alors il y a des étapes. Il y a un certain moment où justement le texte avec Jean et Pierre m'a interpellé quand ils ont dit c'est plus fort que nous, nous devons parler de ce que nous avons vécu et entendu, vu et entendu. Et ce jour-là, j'ai dû dire Seigneur, moi j'ai l'impression que j'hésite à partager parce que je n'ai pas assez vécu avec toi. Est-ce que tu peux transformer ma vie tous les jours pour que j'aie des choses à partager avec d'autres? Et le Seigneur a exaucé cette prière. Amen, amen. Alors nous avons vu ce matin que nous pouvons être des témoins engagés, mais également qui engagent d'autres, de par notre témoignage, nos paroles, notre vécu, par l'écrit. Et nous allons poursuivre cette étude sur le témoignage la semaine prochaine avec Gabriel Monet, qui sera l'intervenant. Ce sera une classe de deux. Il sera l'invité et il y aura avec lui un modérateur. Donc je vous invite donc à considérer cette leçon, à l'étudier et puis à la faire vôtre. Bonne étude à vous tous et bon sabbat. Merci à vous. Merci. Il y avait un meurtrier silencieux dans le foyer de Liorina. Oh, from Lee.
Notre famille s'éteignait tout doucement à cause de notre façon de nous nourrir, car elle n'était pas saine pour notre corps. Il sapait lentement la santé et la vie de sa famille. Liorina et sa femme sont tombés malades. Liorina se sentait chaque jour un peu plus mal. Il en arrivait même à penser au suicide, jusqu'à ce qu'il découvre quel était le meurtrier silencieux qui leur ôtait la santé. Le type de nourriture que nous utilisions était déjà de mauvaise qualité, trop cuite, etc. Quand j'ai rencontré un évangéliste adventiste et que j'ai lu certaines de ses brochures, j'ai découvert que je vivais très mal. Un rayon d'espoir lui est parvenu lorsqu'il a appris qu'un séminaire sur la santé allait être organisé par l'église adventiste voisine. Comme il se sentait vraiment mal, il a demandé à sa femme d'y aller. Elle en est revenue munie de toutes nouvelles connaissances. Me sentant très mal, elle a commencé à m'appliquer une thérapie à base d'eau qu'elle avait apprise là-bas. Elle n'avait jamais eu cette idée auparavant. Elle m'a fait des applications froides, puis chaudes, m'a beaucoup couvert. Et peu de temps après, je me suis mis à transpirer. Nous avons appris à mener un autre style de vie. Les leçons apprises au séminaire sur la santé ont eu un énorme impact sur Liorina et sa femme. Leur terrain, qui auparavant était rempli de poulets, est maintenant vide. Tout autour de sa maison, Liorina a planté différentes sortes de plantes médicinales, comme le moringa et l'aloe vera, qui leur apportent la santé. Il tire aussi des avantages des fruits frais et des légumes qui poussent abondamment au Nigeria. Liorina vit à présent une vie heureuse et en bonne santé. Sa femme et lui sont des ambassadeurs de la santé, enseignant ce qu'ils ont appris à tous ceux qu'ils côtoient. Devant leur maison, ils ont entamé la construction d'un petit espace où ils peuvent parler des lois de la santé et de la Bible, et y ont même créé un petit groupe d'études bibliques. Mais Liorina n'est qu'un habitant de la ville d'Abuja, qui abrite plus de 3 millions de personnes. Personnes qui pourraient avantageusement bénéficier d'un enseignement sur la santé. Ce trimestre, votre offrande du 13e sabbat aidera à construire un centre médical ici. Ce centre aidera à traiter les maladies et enseignera une meilleure façon de vivre aux habitants. Je rêve d'un centre médical dont les gens diraient « c'est un endroit dédié à la santé ». Et quand vous y allez, vous pouvez voir combien il y a d'amour entre les membres de l'équipe soignante. Vous y recevez quelque chose d'autre que ce que vous trouvez dans les autres centres de ce genre. Nous vous demandons de prier pour le développement de ce centre de santé et pour les autres projets de ce trimestre. Merci de ce que vous ferez pour l'offrande du 13e sabbat. Tout d'abord, je suis née au Maroc dans une famille musulmane. Parmi mes frères et sœurs, je suis la préférée de ma mère. Quand j'avais 5-6 ans, je voulais atteindre le ciel. Un jour, je suis montée sur un poteau électrique de 7 mètres de haut et ma mère m'a vite fait descendre de mon petit nuage. Cette idée me poursuivait et elle me poursuit toujours. À l'âge de 10 ans, je suis entrée en France. Avec ma famille, j'ai rencontré ma voisine où j'allais jouer avec ses deux filles. Et c'est avec elle que j'ai pour la première fois entendu parler de Jésus. Pendant 6 ans, ça a été mon jardin secret, mon refuge, car j'étudiais la Bible en cachette. Car je vivais aussi dans un contexte familial très conflictuel. À l'âge de 18 ans, mon père a découvert mon secret et il m'a interdit d'aller chez ma voisine. Avec mon frère, ils ont pris tous mes livres et ils ont tout brûlé. Ça a été le début de ma descente aux enfers. Pendant une année, j'ai été séquestrée et battue par mon père et mon frère, car j'étais devenue le déshonneur de la famille. Un beau jour d'été, mon frère est venu pour me frapper à nouveau. Après une série de coups, à 3 reprises, j'ai entendu une voix me dire « Quitte la maison et ne reviens plus ». Je pensais que je délirais. Malgré tout, j'ai écouté cette voix. Qui me disait encore,
cours et ne te retourne pas. Alors j'ai couru à toute vitesse chez une autre voisine. En arrivant chez elle, vu les bleus sur mon corps, elle m'a tout de suite amenée à l'hôpital où je suis restée 7 jours sous anonymat, car mon père et mon frère me recherchaient. Ayant toujours la peur qu'ils me retrouvent, j'ai fait une demande pour aller le plus loin possible à Bordeaux. Enfin, je me suis dit « je suis libre », mais la petite voix me disait toujours « oui, libre, mais avec des limites ». Pendant 3 ans, je n'ai eu aucun contact avec ma famille car j'avais rejeté ma culture et mes origines à cause de tout ce que j'ai subi. J'ai découvert le sabbat grâce à une sœur. Elle a prié pour que je reprenne contact avec ma famille car j'avais le projet de me marier et surtout de revoir ma mère. Quand je l'ai revue, elle m'a complètement rejetée. Je suis donc retournée à Bordeaux et je me suis mariée et j'ai eu ma fille Inès. Pendant cette période, j'étais en colère contre Dieu car je n'arrivais pas à savoir à quelle voix j'obéissais. Et j'ai crié « Mais Dieu, qui es-tu ? Et si tu existes, montre-toi. » En 2008, lors d'un séminaire en Croatie avec ma fille Inès, le slogan disait « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Je me suis dit « Je suis prête !» Cette nuit-là, j'ai rêvé d'une lumière éblouissante. Puis une main est venue se poser sur mon épaule droite et en me retournant, j'ai vu un énorme voile blanc. Au matin, je me suis réveillée légère comme un papillon. Tous mes fardeaux s'étaient envolés. Je venais de rencontrer le Christ. Et je me suis dit dans mon cœur, enfin, maintenant, je sais qui je sers et personne ne pourra me séparer de lui. En 2011, j'ai été baptisée par un pasteur converti adventiste de confession musulmane avec la présence de mes amis et mes voisins. Par la suite, j'ai créé avec le pasteur un groupe de maisons orientales chez moi. De 3 à 4 personnes, on est passé à une quarantaine et ça a duré 4 ans. En 2012, suite à un appel, j'ai intégré l'église de Bordeaux. Depuis 2013, je témoigne dans diverses églises à travers le monde, comme au Roumanie, Brésil ou au Kenya. En 2014, suite à un rêve prophétique, j'ai ressenti un appel pour un nouveau départ en mission. Mais je ne savais pas où. 2 ans plus tard, en 2016, j'ai effectué une formation de préparation au SVA pour faire du volontariat et apprendre l'anglais. Suite à différentes demandes d'envoi en mission, rien n'aboutit. Plus tard, l'Union du monde arabe l'amena chercher des missionnaires pour le monde musulman. Shaima, une sœur tunisienne, déjà en poste là-bas, a prié pour qu'une femme de culture orientale et de mentalité occidentale la rejoigne dans la mission. Pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, avec un arrière-plan musulman, converti au christianisme, il m'a été essentiel de partager cette lumière au monde musulman qui est plongé dans les ténèbres. Suite au message du troisième ange, je me suis sentie appelée à partager cette espérance. J'ai prié pour savoir si c'était la volonté de Dieu, car j'étais réticente aux actes terroristes qu'il y avait eu quelques mois auparavant à Sousse. L'Esprit a confirmé par l'appel de Jérémie 1, versets 8 et 10. Avant mon départ avec ma fille Inès en Tunisie, j'ai pris le soin de déléguer mon groupe oriental à mon pasteur. Cette expérience m'a beaucoup apporté sur le plan personnel. Premièrement, sur le plan spirituel, suite à mes 3 années de mission en Tunisie, j'ai développé une relation plus étroite avec Dieu. J'ai découvert Dieu sous une autre dimension. Car en arrivant à Sousse, j'avais l'impression de me retrouver seule au monde. C'était le désert. Dieu est devenu le père que je n'ai pas eu, ma boussole, ma forteresse et mon refuge. Deuxièmement, j'ai développé le sentiment de dépendance à mon Père Céleste car la mission était particulièrement difficile et dangereuse. Vu que l'évangélisation est interdite dans ce pays, je devais prendre des décisions en étroite communion avec Dieu qui est alors devenu mon vrai pilote. Pour cela, il me fallait jeûner et prier pour comprendre
quelle était sa volonté dans tous les domaines afin de préserver ma vie et mener à bien ma mission. Malgré les interdictions de partager la parole de Dieu en Tunisie, je devais apporter cette joyeuse espérance en étant moi-même cette lumière. Once a true believer, once there was a fire in your soul, you were the epitome of bliss and fast as time, it stands for nous voulons souhaiter une cordiale et fraternelle bienvenue à chacun ce matin. Et j'aimerais partager avec vous deux annonces. La première,
notre pasteur, notre équipe du conseil insiste, mais je vois que vous êtes bien fidèles à ce que l'on observe, que l'on continue d'observer les mesures sanitaires, à savoir de se laver, se désinfecter les mains, de porter le masque pendant le service et d'observer le sens de circulation lorsque l'on quitte ce lieu en passant par cette porte devant. Je dois aussi vous faire part d'un décès, celui de André Gentil. André Gentil n'est probablement pas bien connu parmi vous, mais il est d'une famille qui est originaire de l'église de la Chaux-de-Fonds en Suisse, et il a vécu très très longtemps dans cette commune de Collonges. Des anciens du CM connaissaient très bien André Gentil, et si je mentionne cette triste nouvelle, c'est essentiellement parce que son ex-épouse, en la personne de Danielle Gentil, Dani, qu'on l'appelait familièrement, qui est membre actuellement de l'église du Salève, mais qui fut membre de notre église dans le passé, elle a occupé le poste de responsable du secours adventiste d'Orcas, et elle a également eu toujours une propension à inviter nos jeunes filles à danser, à préparer des programmes de danse dans notre église. Je voudrais donc, en votre nom, en notre nom à tous de l'église, lui signifier notre solidarité, notre soutien face à cette disparition. Je voudrais aussi maintenant donner la parole à Bernard Davy. Bonjour, nous voulons vous informer de certains changements au niveau des classes d'école du sabbat. Nous souhaitons pouvoir reprendre un certain nombre de groupes donc en présence. Il y a des groupes qui ont commencé par Zoom, comme vous avez vu sur la feuille d'annonce, mais nous avons aussi repris ce matin un certain nombre de groupes où les gens sont présents à distance avec les masques. Ça s'est tenu donc dehors, dans la cour, et ça va continuer donc la semaine prochaine également. Soit ça sera dehors, s'il y a trop de soleil, on le fera soit à l'ombre sur la droite et peut-être en dessous à l'ombre également. Sachez qu'il y a eu aussi le groupe des Explos qui s'est réuni avec les mêmes précautions, ainsi que le groupe des Supertisons. Donc voilà, vous êtes tous bienvenus pour venir participer pour ces groupes-là. Nous aurons 3 ou 4 groupes la semaine prochaine qui se tiendront, mais à l'extérieur, et le Seigneur pourvoira au niveau de la météo. Thank you.
Ces mois passés ont été éprouvants à des degrés divers pour les uns et les autres. Aujourd'hui, la situation reste préoccupante et réclame notre vigilance, même si nous jouissons d'un bel été. En compagnie de celles et de ceux fidèles qui nous accompagnent par Internet, exprimons à présent à notre Dieu toute notre reconnaissance à travers ce moment de louange. Oui, aujourd'hui, je suis contente et reconnaissante d'être parmi vous. J'aimerais aussi remercier notre Dieu parce que nous faisons partie d'une famille et ça nous permet de nous réjouir ensemble, d'où que nous venions ou d'où que nous soyons. Et Dieu est là et Dieu est présent et c'est lui que nous voulons louer tous ensemble. Nous voulons entrer dans sa présence, nous voulons venir même dans ces lieux arides. Nous pouvons le louer et dire de tout notre cœur qu'il est bon, qu'il est grand. Alors chantons-le tous ensemble. Nous venons dans ta présence. Merci de vous louer. Nous venons dans ta présence. Chante tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu accomplis. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant. De ce que Dieu a accompli dans nos vies et de ce que Dieu va accomplir dans nos vies parce qu'il ne s'arrête jamais, il est toujours là. Amen. Tu es ma force, ma consolation.
Ça fait du bien.
ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals, les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Les fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Je vous invite à présent à prendre la position que vous souhaitez pour la prière. Éternel notre Dieu, nous éprouvons de la joie à venir te rencontrer par le moyen de cette prière commune. Nous voulons nous placer sous ton aile, toi notre Créateur, notre Père. Merci pour ce moment de ressourcement où nous pouvons en toute liberté te prier et t'adorer. Ces temps de crise bousculent nos existences, paralysent nos actions et nous isolent souvent les uns des autres. Nous te prions de nous pardonner cette paresse spirituelle. Nous voulons goûter à ces temps de rafraîchissement que tu nous proposes. Nous voulons recentrer nos vies autour de ton Fils et nous stimuler réciproquement. En effet, ces temps difficiles ont induit des problèmes multiples auxquels nombre de membres de notre communauté doivent faire face. Nous te prions de leur apporter assistance et réconfort et nous nous engageons à faire de même. Nous te remercions d'avoir permis à notre jeune Stevie Polo de retrouver totalement son intégrité physique après un grave accident. Nous te confions également nos amis proches, Marie-Claude, Fernand, Hernico, qui se battent courageusement face à la maladie. Apporte ton soutien à notre sœur Danielle Gentil, qui doit faire face à la disparition brutale de celui qui lui était si cher. Enfin, nous pensons aussi aux jeunes de notre Église et en particulier à celles, à ceux qui doivent faire des choix qui engagent leur devenir futur, qu'ils puissent s'entourer de conseils de leurs aînés et compter sur ta bienveillance. Toutes ces choses nous conduisent à rechercher ce qui est essentiel pour notre salut. C'est pourquoi nous te demandons de disposer nos êtres tout entiers à recevoir ta parole par la bouche de ta servante Viviane. Nous t'avons prié au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Les enfants, petits et grands, écoutez. Bonjour les enfants et les grands. Encore une histoire qui va dans le sens de notre fil rouge de ce mois de juillet. Pendant le mois de juillet, nous allons penser à ce verset de la Bible, Romains 8,
28 qui dit « Pour ceux qui aiment Dieu, Dieu mène tout à bien. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, que ce soit nos bêtises que nous faisons exprès, soit des choses qui nous arrivent, qui sont désagréables, voire pires, Dieu est capable de changer ça pour en faire des bénédictions. Des fois, il a besoin, ou toujours plutôt, de notre coopération dans ce sens. Quand c'est quelque chose qui nous tombe dessus, nous n'avons pas cherché, mais qui nous tombe dessus, qu'est-ce qu'on fait? Comment faire? Comment ce verset peut être vrai dans ce cas-là? Notre histoire va nous montrer une façon de faire, il y en a plusieurs. Et cette façon de faire me fait penser à un petit dicton anglais que j'aime beaucoup. When life gives you lemons, make lemonade. Quand la vie vous offre des citrons, faisons de la citronnade. Notre histoire aujourd'hui va dans ce sens. Faire de la citronnade avec des citrons de la vie. Alors, pour les enfants, pour peut-être vous aider à un petit peu plus comprendre ça, je donne un exemple de quelqu'un que j'ai connu qui a fait de la citronnade avec les citrons qu'elle a reçus. C'était une petite fille qui est maintenant une dame et je l'avais en cours d'anglais. Émilie. Elle était dyslexique. Elle avait beaucoup de mal à lire les mots. L'anglais, c'est la pire des langues pour les dyslexiques. Encore une fois, elle a eu 9 sur 20, 10 sur 20. 10, c'était énorme pour elle. 7, elle a beaucoup travaillé. Un jour, j'ai dit, tu n'es pas découragée. Elle dit, non, en fait, j'ai la chance d'être dyslexique. Je dis, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, parce que ça m'a obligée à apprendre à travailler et ça m'a fait du bien. Voilà quelqu'un qui fait de la citronnade avec ses citrons. Alors aujourd'hui, c'est l'histoire d'un petit âne qui a su faire de la citronnade avec les citrons. Petit âne était un petit âne très, très travailleur. Le fermier chez qui il habitait, M. Dupont, était quelqu'un qui faisait travailler ce petit âne. Des corbeilles remplies de bûches, il tirait la charrette, il faisait toutes sortes de travaux. En plus de porter sur son dos M. Dupont, qui n'était pas petit du tout, plutôt costaud et lourd, mais il travaillait dur. Mais maintenant, il commençait à vieillir et de temps en temps, il trébuchait. Et le fermier, M. Dupont, qui disait « Il me faudra un jour, pas lointain, l'amener à l'abattoir. Il ne sert à rien maintenant, juste pour être nourriture aux chiens. Ouais. Et en plus, il faudrait payer l'abattoir. Ben » Puis un jour, ils sont en train de travailler pour faire quelque chose très important dans la ferme. Il y avait un vieux puits et M. Dupont avait peur que les enfants tombent dedans et se fassent du mal. Donc, il a commencé avec des ouvriers à remplir le puits avec de la terre. Sauf que le petit âne, qui passait par là, est tombé dans le puits. Et quoi encore, dit M. Dupont. Au départ, on entend, puis rien. Ah, ben il est mort. Bon,
En fait, ce sera plus simple. Je l'enterre là où il est. Et effectivement, il n'entend plus rien. Mais qu'est-ce qui fait le petit âne dessous? Personne ne voit parce qu'il est bien sombre là-dessous. Mais à chaque pelletée de terre, il fait comme ça. Et il se met dessus. Une pelletée de terre tombe sur son dos. Et hop, il marche dessus. Une pelletée de terre, et hop, il marche dessus. Une pelletée de terre, et hop, il marche dessus. Une pelletée de terre, et hop, une pelletée de terre, encore une, encore une, encore une, il marche dessus, encore une, il ne se plaint pas, il marche dessus, encore une, il marche dessus, encore une, hop, et encore, et encore, et encore. Et qu'est-ce que vous voyez les enfants? Il marche dessus, et encore, il marche dessus, de hop, et hop, et hop, et on. Les pelletées de terre qui auraient dû enterrer le petit âne ont fait quoi? Fortifier ses muscles. En fait, il trébuchait avant. Et là, il marchait avec plus de force. Et en plus, ça l'a sorti du trou. Il a fait de la citronnade avec la terre qui devait l'enterrer. Et même M. Dupont, cœur dur qu'il avait, a dit « Oh ben dis donc, hein, t'es courageux. » Il a décidé de mettre le petit âne à la retraite dans un pré à côté et d'acheter un nouveau petit âne la semaine d'après. Je prie avec les petits et les grands. Seigneur, nous te remercions parce que tu es toujours là et que tu as promis de nous aider à faire de la citronnade avec les citrons de la vie. Merci. Donne-nous la sagesse de savoir comment faire, comme tu as donné la sagesse au petit âne, parce que nous savons que tu as promis et tu tiens tes promesses, que toute chose qui nous arrive, tu sais la détourner pour en faire des bénédictions. Amen. Nous comptons.
because your heart was broken, because you saw the Bon sabbat. Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête.
L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Eh bien, on va continuer avec une histoire. Et j'aimerais la dédier particulièrement à tous les jeunes, je sais qu'il y en a plusieurs à l'arrière-fond, de notre Église, à tous les enfants, à toute cette jeunesse montante qui va faire face avec nous à une période de transition. Vous le savez, plus jamais nous allons retourner avant la période Covid. Un monde nouveau est en train de s'ouvrir et nous sommes en période de transition. J'aimerais vous raconter une histoire vieille de plus de 3000 ans. C'est-à-dire, on remonte à la première croisade, c'est à peu près 1000 après Jésus-Christ. On remonte au temps de Jésus, l'an plus ou moins zéro. Et puis on remonte encore 1000 ans et plus de 1000 ans avant. Et on se trouve au temps des juges. Et pour ceux qui sont passionnés d'études de la Bible, vous pouvez ouvrir le livre des juges au chapitre 1. On va raconter les versets 11 à 15. Alors, moi, je trouve que cette histoire, vieille de plus de 3000 ans, elle est rafraîchissante. Elle est interpellante et d'une actualité totale pour notre temps, en ce moment, de transition après Covid, face à un monde nouveau. Alors, Israël est aux frontières de Canaan. Il a déjà commencé plus ou moins à s'installer. Une génération a péri. Et il y a un seul survivant. C'est le vénérable Caleb. Vous vous rappelez, le compère de Josué. Malheureusement, Josué est mort. Et Caleb, maintenant, qui est le chef de la nation, le général de toutes les armées d'Israël, et il travaille beaucoup avec Juda, qui est la louange, qu'il avance toujours en avant, en premier, dans les conquêtes face aux géants, eh bien, il a deux tâches encore à accomplir avant sa mort. Et là, on le retrouve, il a plus de 85 ans. Qui de nous a plus de 85 ans? Votre tâche n'est pas terminée. Et pour les jeunes, ça va aller pour un petit moment encore. Rappelez-vous, lorsque, après le désert, ils arrivent juste aux portes de Canaan, Caleb dit à Josué, et c'est dans le livre de Josué que vous pourrez lire ça, il dit, écoute, je vois qu'il y a des grands géants, Israël est toujours un petit peu timide par rapport à ces géants. Il y a une montagne remplie de géants, eh bien, donne-moi cette montagne. Moi, je vais aller la conquérir pour notre Dieu. Et c'est ce qu'il a fait, et il a reçu la ville d'Hébron en récompense de cette conquête à 85 ans d'une immense montagne remplie de géants. Alors, Caleb, maintenant, il est un peu fatigué, vous comprenez. On le retrouve, il a certainement 90 ans, 90 ans pour les Français, et il doit encore conquérir certaines villes remplies de géants. Et il a aussi un petit souci, c'est que sa fille n'est pas mariée. Alors il faut qu'il trouve un plan qui accomplisse les deux objectifs. Alors il dit, d'accord, ben celui qui conquérera la ville de Débir, qui doit être conquise encore, eh ben je lui donnerai ma fille en mariage. Et effectivement, le défi est lancé. Et l'homme qui se trouve à la hauteur de remplir ces deux objectifs n'est autre que Othniel, qui est le premier juge du livre des juges, de toute une série de juges. Alors voilà, c'est une conclusion heureuse, le récit peut se terminer là, il est complet. Le sort d'une femme est décidé par deux hommes. Et vous allez me dire, mais attention Viviane, c'est pas très inspirant cette histoire. C'est pas tellement à la mode pour les jeunes. Revenir au temps d'Israël, 3000 ans en arrière, c'est pas
inspirant, rafraîchissant, actuel. Et nous, en tant que femmes, je ne sais pas comment c'est pour vous, mesdames, mais moi, ça ne me fait pas du tout envie. Mais le récit ne s'arrête pas là. Et si vous lisez le texte, la prochaine scène nous transporte lorsque la jeune mariée arrive chez Othniel et il est fait allusion à la dot qu'elle a reçue. La dot reçue n'est rien d'autre que les terres du Midi. Et ça, ça représente plus d'un quart de toute la surface d'Israël. C'est le grand désert du Négev. C'est une dot généreuse et digne d'une fille de chef épousant le héros du jour. Cependant, quelque chose ne va pas. Apparemment, les hommes, ils n'ont pas pigé. Ils sont peut-être trop absorbés par leur conquête face aux géants, face à l'établissement et au partage dans le pays. Mais Aksa, parce que c'est le nom de la fille de Caleb, Aksa, elle a tout de suite vu ce qui manquait. Son père lui a donné un immense territoire, mais c'est un désert, et il n'y a pas d'eau. Donc, pour le faire fructifier, pour le faire foisonner, il lui restera que des citernes et à la bonté de la pluie qui va descendre, n'est-ce pas? Et elle conçoit tout à fait qu'il lui faut des sources d'eau si elle veut faire de la citronnade avec son citron. Donc, elle va agir sans tarder. Vous allez voir dans le texte, elle parle à son mari, elle l'incite à demander à Caleb un champ, une nouvelle terre, remplie d'eau, remplie de sources. Othniel, c'est très intéressant, le texte ne nous dit rien, il semble rester silencieux. Alors là, toute interprétation est possible, hein. Soit il est fatigué de sa conquête de Débir, soit il est intimidé face à son nouveau beau-père. Il a déjà été super généreux, comment il peut encore demander plus? Ou tout simplement, il est occupé. Ou, et ça c'est mon interprétation, mais je ne peux pas la défendre puisque c'est un silence, on peut presque l'entendre penser, Caleb s'est montré si généreux, il a déjà fait quelque chose de pas tout à fait dans les traditions, je vous expliquerai un peu plus tard, donc je ne vais pas trop en rajouter. Par contre, Aksa, elle peut le faire, parce que le héros, Caleb n'est pas uniquement le grand héros de la nation qui a fait des grandes conquêtes, le bras droit de Josué, mais c'est son papa. Et elle s'avance vers lui avec ardeur, et Caleb lui dit « Mais que désires-tu ?» Et elle présente son besoin tout de go. « Ah, tu m'as donné une terre, puisque tu m'as donné le Négev, j'ai besoin d'eau. J'ai besoin d'un champ avec des sources d'eau. » Et vous voyez dans le texte, Caleb répond immédiatement, « Mais bien sûr, quel benêt je suis, j'ai même pas pensé à l'eau, mais bien sûr, allez, je vais t'accorder. » Et il accorde avec largesse, regardez, il accorde des sources supérieures, on ne sait pas si c'est plusieurs champs, mais on peut s'imaginer. Et puis, remarquez, si vous lisez le texte, Aksa n'a pas besoin de plaider, elle n'a pas besoin de supplier, elle n'a pas besoin de persuader. Caleb entend son besoin et tout de suite, il l'accorde. Alors, qu'est-ce que cette histoire a à nous dire, à nous, jeunes et vieux, en cette période de transition, en cette période d'après-Covid? Moi, je vous propose quatre perspectives d'interprétation, comme quatre leçons, qui peuvent peut-être, en tout cas moi, qui m'ont beaucoup inspirée. Alors moi, je vous propose que cette histoire, elle nous dit quelque chose à propos des relations entre hommes et femmes. Elle nous dit quelque chose à propos de comment mener nos communautés, nous situer face aux traditions, au statu quo de nos communautés, à nos modèles culturels. Troisièmement, elle nous dit quelque chose par rapport à notre développement personnel, surtout dans la dynamique de nos demandes. Et puis finalement,
Pour moi, elle est une parabole, un modèle de comment on devrait prier en temps de transition, de changement, face à du nouveau. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend au sujet des femmes et des hommes? Eh bien, pour moi, l'histoire d'Axa invite les femmes à prendre la responsabilité de leurs besoins, des constats qu'elles effectuent, selon la vision de la réalité que Dieu nous donne. C'est le temps pour nous, mesdames, mesdemoiselles, de prendre notre script en main, comme Axa, et de faire des demandes audacieuses et d'arrêter d'attendre des réponses. Même face au silence, comme Axa devant Othniel, ou peut-être face à l'indifférence, à la fatigue, ou, comme mon interprétation le propose, à la bienveillance des hommes qui sont tout heureux de nous laisser prendre des initiatives. Il est temps de demander, de frapper avec audace, courage, pour recevoir plus. Elle a déjà quelque chose d'extraordinaire dans les mains, Axa. Nous avons toutes quelque chose d'extraordinaire déjà dans nos mains, fût-ce un désert. Et nous voulons plus. Nous voulons ce qui manque pour changer le désert en lieu foisonnant, en jardin fleuri, en verger abondant. Le texte nous parle aussi d'hommes. D'hommes qui savent écouter et qui sont capables de continuer leur mission, qui est de faire face à des montagnes remplies de géants, qui sont capables de terrasser des Goliaths comme David avec leur foi et qui peuvent déplacer les montagnes comme Caleb avec la foi. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui se respectent, qui s'écoutent dans leurs besoins, et qui reconnaissent l'un l'autre l'autorité que Dieu a donnée à l'homme et à la femme au commencement. Et vous pouvez relire Genèse 1. Il les créa mâle et femelle et il leur dit « Remplissez la terre, soyez féconds, multipliez et vous aurez autorité sur la terre, sur les animaux. » Face à face, égalité d'autorité et de pouvoir, non de domination, mais de compétence. Qu'est-ce que cette histoire a à nous dire en tant que communauté, face à nos traditions, nos statu quo, en ce temps de transition? Ça, c'est le deuxième point. Eh bien, Axa, vous ne le savez peut-être pas, mais demande quelque chose de tout à fait anticonventionnel. Au Moyen-Orient ancien, les puits, ça n'appartient qu'aux hommes, ça n'appartient qu'aux chefs de tribu, ça n'appartient qu'aux rois des nations. Et là, elle demande des sources d'eau sans gêne. J'aime à penser que le silence d'Othniel est peut-être son approbation face à l'audace d'Axa. Son père a déjà fait quelque chose de révolutionnaire, hors tradition, en donnant le Negev à sa fille. On ne donne pas de terre aux femmes à cette époque-là, 3000 ans avant Jésus-Christ. Et il est intéressant que Caleb, lui, va le faire. Il donne le Negev à sa fille. Et en plus, il va lui donner des sources d'eau. Il ne dit pas « Ah, je vais aller consulter les prêtres ». Je ne vais pas prendre le risque d'être incompris par les 70 anciens. Ah, on ne fait pas les choses comme ça dans les nations aux alentours. Qu'est-ce qu'on va dire si en Israël, maintenant, les femmes héritent de terres et de sources d'eau? Ah oui, j'aurais dû que lui donner des bijoux, des habits, du linge, de la vaisselle. Ouais, peut-être une tente, mais pas plus. Caleb n'agit pas comme ça. Il ouvre du nouveau.
de l'anticonventionnel. Il n'a pas peur du candidat-on. Il n'a pas peur de ses leaders, ses co-leaders. Et s'il agit comme ça, c'est intéressant, il a un précédent, notre grand et cher Moïse. Et maintenant, avec Caleb et Moïse, nous, on en a deux. En effet, Moïse avait pavé le chemin de la décision de Caleb d'ouvrir des choses tout à fait nouvelles. Il avait répondu aux filles de Tselophéad, à Malcha, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Et vous pouvez lire cette histoire dans le livre des Nombres, au chapitre 27, les versets 1 à 11, et aussi 36, 1 à 12. Je vous laisserai relire cette histoire. Eh bien, ces filles, elles voulaient la descendance de leur père quand elles seraient arrivées en Israël. Et voilà, Moïse, à nouveau, dit pas que le temps n'est pas opportun, qu'il faut se conformer à la culture ambiante, qu'il faut revenir un autre jour après qu'on ait consulté un nouveau concile, une nouvelle conférence générale, un comité. Non, il dit tout simplement, « Ah, je vais amener la question au Seigneur. » Et le Seigneur lui répond tout de go, et il dit devant tout le monde, « Les filles de Tselophéad ont raison, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. » Voilà, Moïse, Caleb ouvrent des chemins nouveaux en temps de transition et de changement. Et j'aime beaucoup le livre des Juges, qui est un livre très difficile, je trouve, à lire. Mais ils nous avertissent ce qui peut arriver lorsqu'on n'adopte pas les changements qui sont proposés par Moïse, par cette histoire d'Aksa, de Caleb et d'Othniel. J'aimerais faire une première conclusion sur ces deux premiers points. Si on ne retrouve pas cette égalité d'autorité entre hommes et femmes, d'égalité d'appel que hommes et femmes ont reçu de la part de Dieu, si nous ne nous débarrassons pas des vieux modèles culturels en opposition avec la révélation de Dieu, les conséquences vont être très, très fâcheuses pour nous. Très, très fâcheuses. Et le livre des Juges nous dévoile ce qui va se passer en Israël lorsqu'on ne suit pas le modèle de Caleb, d'Aksa et d'Othniel. Lorsque les voix des femmes sont ignorées, passées sous silence, et que les hommes se conforment aux traditions du monde, de la culture, et que tout le monde, hommes et femmes, se tourne vers l'idolâtrie. Le livre des Juges nous décrit une violence et des divisions incommensurables. Il nous révèle ce qui se produit lorsqu'il n'y a plus de collaboration entre les filles et les pères, plus d'harmonie entre les maris et les femmes, lorsque les voix des femmes sont réduites au silence et même leurs noms sont oubliés. Justement, vers la fin du livre des Juges, au chapitre 19, vous pouvez relire cette effroyable histoire de la concubine qui est à l'inverse de l'histoire d'Aksa. C'est une femme qui n'a pas de nom, qui est abusée, qui va être tuée et découpée en morceaux et envoyée dans les quatre coins d'Israël. Waouh, moi je ne sais pas si ça fait comme pour moi, mais moi ça me donne les frissons. C'est une désintégration totale de la communauté, du peuple. Et en fait, c'est l'abus d'une femme, le meurtre d'une femme sans visage et sans nom, qui va ouvrir la guerre civile, la guerre fratricide au sein de la communauté. Pourtant, à la fin du livre des Juges, un espoir s'ouvre. Parce que dans notre Bible, après les Juges, il y a le livre de Ruth, qui se situe aussi à l'époque des Juges. Et c'est là encore une histoire qui raconte un homme courageux qui répond à des exigences non conventionnelles de femmes. C'est dans le livre de Ruth que Dieu nous dit qu'il emploie le courage de deux demandes audacieuses de femmes pour changer l'histoire du salut.
Rappelez-vous Naomi qui dit à Ruth, tu iras découvrir les pieds de Boaz. C'est un petit euphémisme pour ceux qui comprennent, comprenez. Peu conventionnel. Mais revenons maintenant à la troisième leçon. Qu'est-ce que ce texte nous dit par rapport à nos développements personnels? Trois points pour moi. Le premier, c'est qu'on doit être 100% responsable de notre script. Ne pas fuir, ne pas critiquer nos déserts. Rappelez-vous, Aksa, elle ne dit pas, mais papa, mais franchement, tu me donnes un désert, c'est pas top, hein. Franchement, moi je mériterais mieux, surtout que j'ai attendu ce mariage. J'ai l'âge maintenant d'avoir quelque chose d'un peu plus élevé. Non, elle dit, puisque tu m'as donné un désert, eh ben, je te demande maintenant des sources d'eau. Donc, avoir deuxième point, avoir le courage de demander, de formuler. Et moi qui travaille beaucoup avec les femmes, nous avons beaucoup de peine à formuler nos demandes de manière claire, précise, directe. On attend toujours qu'on nous devine. Non, c'est fini ce temps-là. Maintenant, vous parlez directement, vous dites vos besoins, vous formulez ce dont vous avez besoin pour changer vos négèves en terre foisonnante. Et maintenant, je pense que Aksa nous inspire aussi comment tous, pas seulement les femmes, mais nous positionner pour faire des demandes. Vous vous rappelez, et je ne vous l'ai pas dit, mais si vous lisez le texte, Aksa, quand elle va vers son père, elle est sur un âne. Elle va descendre de son âne. Elle va parler d'abord, puisque tu m'as donné le Negev, le désert, bah donne-moi des sources d'eau. Pour moi, j'entends de la gratitude, mais un peu insistante et qui ouvre sur du nouveau. Et c'est comme donne-moi un présent, certaines traductions disent. En fait, le langage qui est employé, c'est le même langage, vous savez, de Jacob qui lutte avec l'ange, qui dit « Donne-moi une bénédiction !» Dieu, il aime ce corps à corps, ce face-à-face, cette demande audacieuse de ses enfants pour du nouveau, pour de l'inconventionnel, pour changer le statu quo, pour transformer la culture. Mais c'est intéressant que Aksa, notez bien, descend de son âne. Et moi, je dis que c'est la posture de l'humilité. Elle ne va pas parler à son père du haut de son âne, mais face à face, en toute simplicité. Alors, passons au point 4. Comment cette histoire est une parabole à propos de la prière en temps de transition et de changement? Je propose que nous sommes tous et toutes des Aksa et qu'on peut aller vers notre Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Quand Jésus est ressuscité et qu'il voit Marie, il dit, ah, ne me touche pas, je ne suis pas encore montée vers mon Père. Et quand il dit, va dire ça aux disciples, dis que je ne suis pas encore montée vers mon Père, votre Père. Donc, nous pouvons aller vers notre Caleb, vers notre Papa Céleste, avec audace. Et j'aimerais qu'on lise le texte d'Hébreux, chapitre 4, verset 16. Paul nous invite à nous approcher avec assurance, avec audace, avec courage, avec confiance, près du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, dans les besoins de nos déserts. Ne les fuyons pas, mais demandons ce que nous avons besoin dans nos déserts relationnels, dans notre couple, dans notre famille, dans nos difficultés d'héritage, dans notre église, dans nos comités, dans notre vie professionnelle, ce dont nous avons besoin pour changer la culture. Et Jésus va nous enseigner cette attitude de persévérance.
Rappelez-vous cette parabole de cet ami qui reçoit des gens en pleine nuit, qui va frapper chez son voisin et qui va vraiment frapper pour obtenir du pain qu'il n'a pas pour bien chérir ses invités. Luc 11, versets 11 à 13, il est dit « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain ?» Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à bien plus forte raison, le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux et celles qui le lui demandent? Audace, persévérance audacieuse, mais aussi humilité. Et pour moi, je trouve que Jean décrit ça très bien dans sa première épître, au chapitre 4 et au verset 14, où il est dit « Nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute comme Caleb. » Et sa volonté, voyez-vous, c'est peu, comme Caleb, ça peut être très audacieux. Ça peut être en dehors de toute tradition, de tout statu quo, de tout schéma culturel. Ça peut être vraiment quelque chose comme AXA. Demander des sources. Et comme Caleb, le Père Céleste va nous répondre. Paul nous dit comment il répond. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. C'est quoi cette puissance qui agit en nous? C'est le Saint-Esprit, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations. Les jeunes, comme les vieux, comme les personnes plus âgées. La nouvelle génération, comme l'ancienne génération. Nous avons juste besoin maintenant d'obtenir ces sources pour changer nos déserts. Et vous savez que cette symbolique de l'eau dans la Bible, Jésus va la décoder pour nous. C'est le Saint-Esprit. Jean 7, versets 38 et 39, Jésus est à Jérusalem, dans le temple, c'est Soukhot. On déverse des immenses vases d'eau dans le temple. C'est un rituel de la grande fête de Soukhot et il dit « Celui qui croit en moi alors que ses vases sont déversés, des eaux vives, des sources couleront de son sein » comme dit l'Écriture. Et il rajoute, verset 39, « Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir tous ceux et toutes celles qui croiraient en lui. » Je vais m'aventurer encore peut-être à décoder une possibilité d'interprétation, les sources d'eau inférieures et supérieures. Moi, je comprends les sources d'eau inférieures, c'est tout ce que l'esprit dépose en tout être humain, qu'il soit chinois, bouddhiste, américain, indien, avec son type, tout son type de croyance. C'est tout ce que Dieu a déposé dans l'être humain pour qu'il puisse s'approcher de lui. C'est cette grâce prévenante, ce souffle qui est dans nos narines, ce mouvement, cet être avec des capacités extraordinaires, spirituelles, qui existent chez tout homme, d'avoir une conscience de ce qui est bien, de ce qui est mal, d'avoir des intuitions, d'avoir des rêves où Dieu peut nous parler, d'avoir la capacité de décoder le symbolique. Tout être humain a cette capacité. Les sources supérieures, eh bien, c'est ce don de la grâce, du Saint-Esprit, lorsqu'on se positionne, lorsqu'on s'engage avec le Christ, avec Dieu qui vient sur la terre se révéler. C'est cet engagement par amour, par obéissance au baptême qui nous promet l'onction, les sources d'en haut. Rappelez-vous, Jésus à son baptême, il y a le Saint-Esprit qui descend.
Et la voix qui se déclare, c'est « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Quand vous vous engagez avec Dieu, et dans la tradition protestante, on sait qu'on est lavé, purifié, justifié en Jésus-Christ qui a porté nos péchés, on n'a plus à se préoccuper de tout cela, on peut aller en nouveauté de vie. Mais ce qu'on oublie souvent de souligner, c'est qu'on est adopté. Vous êtes des fils et des filles de Dieu et vous pouvez aller vers votre Père avec audace, demander des choses incroyables, non conventionnelles pour changer vos statu quo, pour changer vos circonstances, pour changer votre situation. Et il est intéressant, vous savez que j'ai dit que dans notre Bible plutôt chrétienne, le livre de Juges est suivi de Ruth, mais pas dans le livre de la tradition hébraïque. Ça se trouve après le Cantique des Cantiques. Mais je trouve aussi très intéressant le lien, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le Cantique des Cantiques, c'est aussi une histoire totalement non conventionnelle, d'égalité parfaite entre l'homme et la femme. Je n'ai pas le temps de le développer, j'espère que je pourrai le faire dans un prochain sermon. C'est intéressant là aussi qu'il y a un lien juste thématique dans l'organisation des livres. Et c'est dans ce chapitre 4 du Cantique des Cantiques où il est décrit que toute bien-aimée du Seigneur, homme ou femme, est comme un jardin scellé avec plein de sources d'eau au fond, mais fermé, et qu'il est temps d'ouvrir ces source. Et le chapitre 4 du Cantique des Cantiques va nous donner une clé. On ouvre les sources en acceptant le citron, soit les vents du nord, soit les vents du sud, soit la pluie, soit la sécheresse. Et c'est ça qui va ouvrir les sources et permettre à ce que notre jardin, notre désert, soit foisonnant, rempli d'épices et de saveurs. Avoir le Saint-Esprit, c'est avoir les sources. Et avoir les sources, c'est avoir les ressources. Avoir les sources, c'est avoir les ressources. Avoir les sources inférieures, soyez attentifs à vos intuitions, à vos rêves, à votre conscience, mais soyez ouverts chaque jour à l'onction du Saint-Esprit pour aller plus loin, pour courir dans le non-conventionnel, dans le nouveau, en cette période de changement et de transition. Alors, il est le temps de la conclusion. Et j'aimerais remercier l'aide de Marcel Ladislas et de Hillel Habibi qui m'ont donné quelques pistes pour faire cette transition avec la symbolique des noms. Alors, c'est intéressant que cette histoire d'Axa nous exhorte comment, en temps de transition, on peut, de façon idéale, régler les affaires dans le peuple de Dieu. Et elle nous interpelle encore aujourd'hui en temps de transition. Elle nous offre un modèle pour l'avenir. Et je pense qu'il est très important d'écouter la voix d'Axa. Elle résonne encore aujourd'hui. Et elle encourage les femmes à prendre des initiatives en leur faveur, à exprimer courageusement leur vision des choses. Dieu n'a pas créé hommes et femmes pour avoir les mêmes conceptions, les mêmes visions, la même sensibilité. Et il est temps, à l'instar d'Axa, que nous les femmes partagions nos vues uniques sur l'avenir. Et ce que nous voyons, qui est le besoin de nos communautés. Nous avons toute la responsabilité de développer notre propre parole, comme d'ailleurs les hommes ont la responsabilité de développer leur propre écoute et de persévérer dans leur mission. Donc l'histoire d'Axa, c'est aussi l'histoire d'hommes forts, bien dans leur peau, courageux, les vrais héros, qui savent garder le silence et parfois même céder la place à quelque chose de tout à fait non conventionnel qui leur est proposé
mais qui est en accord avec les vérités de la révélation de Dieu. Donc, le Juges, chapitre 1, invite les hommes bien ancrés en eux et en Dieu à être sûrs de leur vocation, de leurs propres affaires, de leur propre histoire, de leur propre conquête, comme à laisser les femmes aussi assumer leurs propres histoires, leurs propres conquêtes. Ils n'ont pas peur d'accueillir des interruptions créatrices qui bouleversent l'ordre des choses. Caleb et Othniel savent poser des questions et écouter les réponses. Alors pour moi, l'histoire d'Aksa se dresse comme un mémorial dans l'histoire du salut. Elle nous décrit en filigrane un Dieu, écoutez bien, qui œuvre au travers du non-conventionnel, qui aime le changement. Un Dieu qui agit au travers de personnes courageuses, qui bousculent parfois ce qui est injuste, accablant, limitant, ancré certes dans le temps et l'ambiance qui nous entoure, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Alors, j'ai quelques questions pour finir. Seras-tu une Aksa, qui signifie un vrai bijou, plus précisément une chaînette qu'on met soit au bras ou au pied, avec plein de petites pendeloques qui fait beaucoup de bruit. Pas trop fort, mais quand même un petit cliquetis qui se fait entendre si on avance vers l'avenir. Seras-tu une Aksa qui va avancer avec ton doux bruit pour ouvrir du nouveau, pour ouvrir à d'autres personnes la joie de danser et de chanter pour entrer dans le nouveau pays promis, la Canaan céleste. Et toi, peut-être seras-tu un Othniel, une personne qui signifie « Dieu est ma force » ou « le guerrier de Dieu » ou encore « celui qui est le signe des signes, celui qui est le temps de Dieu, qui sait garder le silence, qui sait parfois se retirer pour laisser place à de nouvelles initiatives qui bousculeront toujours, toujours le statu quo. » Serons-nous peut-être des Caleb, qui signifie une personne dont le cœur est tourné vers Dieu, orienté vers le changement, vers ouvrir des champs tout à fait innovateurs, généreux aussi, et toujours fidèle au cœur gracieux et merveilleusement amoureux de Dieu envers nous. Seras-tu une Aksa ? Un Othniel ? Un Caleb ? Serons-nous, comme Jean-Claude Verrecchia le proposait lors de son serment de la Pentecôte, le visage au vent, le visage ouvert aux sources supérieures face au Saint-Esprit pour décoller et aller vers de nouveaux horizons. Serons-nous ce peuple-là, au cœur vers Dieu, à cette marche audacieuse qui s'entend, à se lâcher prise, mais aussi cette force en Dieu en temps voulu, et maintenant est le temps de ce changement. Avoir les sources, c'est avoir les ressources pour changer nos déserts en merveilleux jardin florissant, afin d'ouvrir la voie du Seigneur qui revient. Alors Seigneur, pour terminer, j'aimerais te demander un renouvellement pour chaque personne ici de nos sources inférieures, qu'elles puissent jaillir nouvellement. Mais je te demande aussi pour chacun d'entre nous une nouvelle onction, des sources supérieures,
du Saint-Esprit qui vient nous conduire dans toute la vérité, qui vient nous montrer les temps et les saisons, qui vient nous montrer l'urgence du temps de transition que nous vivons. Et je te demande de rafraîchir en nous tous nos déserts pour que nous soyons chacun et chacune dans le changement, dans la verdure qui va s'exprimer, la beauté qui va s'exprimer, un témoignage unique pour toute personne qui nous entourera et qui va les amener à eux aussi s'engager dans le non-conventionnel et à te suivre, Jésus, non pas dans une religion, mais dans une relation personnelle, aimante, comme entre Aksa et Caleb, comme entre Aksa et Othniel. Alors descends, inspire-nous de l'audace et donne-nous ce nouveau que Jacques a proclamé dans Ésaïe, que Florence a proclamé toujours dans ce même livre d'Ésaïe. Donne-nous ce nouveau que tu as promis, ce désert qui va fleurir. Et je te remercie déjà d'avance parce que je sais que tu réponds toujours à nos prières. Demandez et on vous ouvrira, frappez et on vous ouvrira. Comme dit dans la parabole de Luc au chapitre 9. Alors Seigneur, je frappe et je te demande, donne-nous les sources inférieures et supérieures. Amen. Thank you.
Il est très important d'apporter au Seigneur une partie de ce qu'il nous donne avec générosité et régularité et pour le bon fonctionnement de sa maison. Je vous inviterai donc à déposer dans les plateaux qui sont disposés ici devant votre offrande, votre dîme à la fin de la sortie, à la fin de ce culte, pardonnez-moi. Mais il est également possible à chacun de transmettre sa dîme et son offrande en suivant les instructions formulées par le trésorier de son église. Merci. Nous prions avec Jean-Michel. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce privilège que nous avons d'être ici ce matin. Merci pour ce jour de sabbat que tu as mis de côté pour que nous puissions te rencontrer et être en communion les uns avec les autres. Merci Seigneur parce que tu es notre Créateur. Merci aussi parce que tu nous accompagnes à chacune des étapes de notre vie. Que notre vie soit désert, que notre vie soit jungle ou jardin. Nous voulons te demander d'agir en nous, Seigneur. Transforme nos sécheresses en fécondité, en fruits d'amour et de justice. Sois avec chacun ici présent, ceux des nôtres qui ne sont pas là, et que nous puissions continuer d'avancer avec toi. Nous t'en remercions dans le bon nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever et à chanter de tout votre cœur suite à ce message. Bénis Dieu, ô mon âme. Oui, parce que où que nous soyons et quoi que nous allons faire, nous pouvons le bénir de tout notre cœur et le louer de tout notre cœur. Dieu, mon âme, oh mon âme, rends-toi à son âme.
Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël. Voilà que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Fort de ces paroles encourageantes que nous venons d'entendre, nous allons quitter ce lieu confiant dans sa promesse de nous soutenir et de nous sauver, surtout si nous osons demander avec audace et assurance. À présent, nous entendrons encore un chant spécial par le groupe Cœur à Cœur que nous remercions sincèrement. Je vous invite à vous asseoir, à la suite de quoi il y aura la sortie en suivant les instructions en sortant par le devant de la chapelle. Merci.